Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un vlog où je pars à Paris avec ma copine. On va à l'expo de Game of Thrones, donc comme d'hab, je vous emmène avec moi. Ça y est, on retrouve la copine. T'es pressée d'aller au truc de Game of Thrones? Oui, j'ai trop de voir. Ouais, t'as hâte? Ça y est, on vient d'arriver. Donc, on est au parc d'exposition à Versailles. Donc, il n'y a personne. Donc, c'est vrai qu'on est aussi en plein mois d'août. Donc, je pense que c'est pour ça. Donc voilà, donc là c'est un espèce de sas où ils nous remettent sur un énorme écran quelques images de la série. Donc ils nous mettent un peu dans l'ambiance, etc. Donc on n'a pas attendu très longtemps dans la queue, je dirais environ une demi-heure. Donc là voilà, on commence déjà avec les costumes. Donc vous avez ceux-là des Stark. Juste à côté, voilà, vous avez Tyrion, Sansa, etc. Enfin, donc du coup voilà, on peut amener pas mal de costumes, des accessoires, des armes, des armures. On peut, on va dire, s'aventurer dans un espace un peu cinématographique, dynamique, on va dire. Voilà, ça reflète assez bien les lieux emblématiques de la série. Donc franchement, voilà, le seul bémol que je dirais, c'est un peu la lumière, parce que je trouve que c'est vachement tamisé. Voilà, ça j'avoue, j'aime pas trop, quoi. Alors, il y a aussi une odeur extrêmement particulière, c'est l'odeur du cuir, où... un autre truc mélangé en même temps, donc je saurais pas trop vous dire, mais c'est vrai qu'il y a une odeur assez particulière. Donc là, faut savoir que tout ce qu'on voit, c'est des vrais costumes, des vrais accessoires qui ont servi pour la série. Donc là, on est dans le fameux temple de Jaganagar, donc le sans visage. Donc là, voici une photo avec moi et lui que j'ai vu à une autre convention. Donc il sent très bon, il est vraiment très beau, enfin franchement... il est très gentil, il fait pas du tout sa star. Donc voilà, là on voit les marcheurs blancs. Donc j'étais quand même assez près, hein. Vous vous rendez compte qu'on les voit pas très très bien, quoi. Hein. Là ensuite on a le costume d'Ygritte. Donc j'ai l'impression que les actrices, elles sont toutes petites, toutes menues. Enfin bon voilà, là ensuite vous avez donc le vrai trône. Donc ça, moi je l'ai trouvé vraiment magnifique. C'est vrai qu'en vrai, on se rend pas compte de la taille. Donc voilà, et ensuite donc on avait fini déjà au bout de, je dirais, 45 minutes. Donc voilà, ça y est, c'est terminé. Donc on a mis quoi, une petite heure. Donc franchement, je trouve que c'est très court parce que le billet il est quand même à 21 euros. Mais bon, on voit quand même pas mal de costumes, etc. Et franchement, c'est sympa. C'est un truc à faire pour ceux qui aiment beaucoup Game of Thrones. Donc voilà, c'est à Porte de Versailles. Donc voilà, donc je pense que la prochaine fois que je viendrai, ce sera pour la Paris Games Week. Donc voilà, bon bah je vous laisse et je vous fais des gros bisous, j'espère que ça vous a plu.